Hi, I'm Tom Migot from Tom Migot Photography. Bonjour, je suis Tom Migot de Tom Migot Photography. As about a month ago, I started the whole new adventure, Tom Migot Photography Club, on Facebook. And the whole idea was having photographers from around the world sharing and asking questions and learning with one another beyond the language barrier. It turned out that maybe I've been a smartass, thinking that this was going to happen very easily and seamlessly, but now I realize that it's actually a bit more complicated because either English speakers don't understand French or French speakers don't understand English, and now we do have some people from Costa Rica as well speaking Spanish or English and so on, so it's getting a bit complicated. So I've been scratching my head and trying to find a solution that could work for everyone, so we could really exchange worldwide. Et voilà que j'ai trouvé la solution. Et oui, alors si vous utilisez Google Chrome, alors Google Chrome, voilà, alors je vais sur Google Chrome, et bien il y a une extension. Et oui, alors il vous suffit simplement d'aller en haut, vous allez dans votre fenêtre, quand vous ouvrez Google Chrome, et vous avez extension. Alors là, c'est peut-être écrit en français, dans votre langue, même si vous habitez à Nice ou à Marseille. Voilà, vous cliquez sur extension, et extension, alors là, vous allez avoir votre liste d'extensions. Peut-être vous n'en avez pas, peut-être vous en avez. Là, moi, elle est déjà installée. Mais voilà, alors si vous voulez l'installer, ben, il vous suffit simplement de cliquer sur Get More Extensions, ou bien avoir plus d'extensions. Voilà, et quand vous cliquez dessus, et bien vous allez avoir un autre onglet qui va s'ouvrir avec, c'est une librairie d'extensions. Voilà, alors là, bien, il vous suffit de taper traduction. Alors voilà, traduction, et vous tapez entrée. Et là, vous allez voir, il va y avoir marqué Google Translate. Voilà, alors si vous cliquez sur, là, c'est un autre mot, mais normalement, ça va être Add to Chrome, comme il y a écrit juste au-dessus, voilà, et vous cliquez dessus, ça va vous l'installer. Il n'y a rien de plus à faire. Et puis ensuite, vous retournez sur votre groupe favori sur Facebook, donc Tom Migot Photography Club, voilà, et puis quand vous avez des textes en anglais, voilà, comme le premier, hein, et le premier il est en français, il était en anglais, voilà, et bien vous y comprenez rien, c'est pas grave, vous allez en haut, à droite, vous voyez, il y a maintenant un logo. Et le logo, c'est celui de Google Translate, voilà, parce que vous avez installé le plugin, l'extension, comme ils disent, voilà. Et vous cliquez dessus, et bien, comme par magie, et bien, vous voyez, vous avez maintenant la Google Traduction Bar, voilà. Et vous pouvez choisir français, et puis même si vous voulez parler, ben, chinois, et bien voilà, vous pouvez le cliquer. Donc on va le laisser sur français, hein, on va pas se casser la tête non plus. Donc voilà, et maintenant vous avez pu appuyer sur traduire, voilà, et il a traduit encore, et voilà, et vous voyez donc tout le texte, il est maintenant en français. Alors peut-être c'est pas parfait, hein, de toute façon moi je parle pas toujours parfait, et voilà, au moins vous allez pouvoir comprendre un peu mieux ce que les anglophones ils essaient de vous dire, voilà, et puis j'espère qu'avec ça vous allez pouvoir communiquer avec eux. And if you actually don't use Google Chrome, you could actually go with Safari, maybe that's my favorite browser, so I was actually trying to find the similar thing, and I actually found one, and the link will be under the video as well, and it's called the Google Translate Bar. It seems to be an old version, but it doesn't really matter actually. So once you download this and then you need to install it, what you're gonna end up with is, then you go back to Tom Migot Photography Club, and here at the top left corner of your browser, just before the address bar, you're gonna have this logo here, the Google Translate Bar. If you click on it, so sometimes I need to click twice. And here it goes. So now you have the text in English here that I did, but I was looking for somewhere where it would be written French. So here you go. This is in French right there, right? So if I go to English and I do translate, you see that actually all the posts are actually translated in English. So all the comments. Some of the posts are translated, some others are not. Here you see it actually worked good. So if I show the original, now we see now it's back in French. So this seems to be working pretty good. So this way, I'm hoping that all of you guys, whether you use Safari or you use Chrome, you're gonna be able to exchange and go beyond this language barrier. So Here it is, folks. I hope this is going to help. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo peut vous aider. J'espère que ça va vous encourager à communiquer un peu plus entre vous et n'hésitez pas à poser des questions à n'importe qui, n'importe quel membre du groupe, que ce soit en français ou en anglais. Juste exprimez-vous à travers la photo, c'est aussi ça, l'art. Voilà, donc en attendant la prochaine fois, c'est Tom Migot qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le. And until next time, this is Tom Migot saying, if you like it, well, capture it, maybe, on Tom Migot Photography Club.